Pendant 22 ans, Francesco Fo James a géré sa propre entreprise. Elle a débuté avec tout juste 10 000 dollars d'articles ménagers et de bureaux. Aujourd'hui, son activité a connu une croissance significative pour atteindre plus de 100 000 dollars. Mais Princesse dit que son entreprise aurait pu croître plus rapidement si elle n'avait pas subi les conséquences de la récession dans le pays vient d'en émerger. Les choses retournent progressivement à la normale. L'économie sort de la récession et enregistre une croissance nette grâce à l'amélioration des cours mondiaux du pétrole. Mais la pérennisation des profits repose en grande partie sur le projet budgétaire 2018 du président Buhari. Les commerçants comme Princesse surveilleront de près et ils veulent également que le gouvernement prenne des mesures pour réduire le coût de faire des affaires. If before you used to travel with $30,000, you are traveling with $60,000 now. Le dollar a fait que tout augmente. Si avant vous aviez l'habitude de voyager avec 30 000 dollars, aujourd'hui avec 60 000 dollars, c'est la même chose. Tout a augmenté. Les précédents budgets reposaient essentiellement sur les emprunts extérieurs, comme le rapport de la dette décomptée au PIB, qui devrait atteindre 24,1% d'ici 2018. La Banque mondiale a, dans son dernier rapport sur les économies africaines, exhorté le gouvernement à modérer les emprunts. Mais le gouvernement a déjà déclaré qu'il empruntera de nouveau. Ce qui reste à savoir est le montant de cet emprunt. Contrairement aux autres budgets, le gouvernement ne laisse aucune information passer. La valeur estimée et les domaines de priorité ne sont pas connus en dehors de l'exécutif. Ce qui est clair, c'est que des montants importants seront affectés pour soutenir une croissance marginale qui aide l'économie à sortir de la récession. La part du lion pourrait aller aux infrastructures stratégiques. Nous cherchons ensuite à augmenter le capital de l'allocation dans des secteurs spécifiques collectivement financés par des apports. Et quels sont ces secteurs? L'énergie est numéro un. L'investissement dans le secteur de l'énergie doit être continué. L'investissement dans l'agriculture, dans le secteur minier, dans le secteur d'extraction, qui ne devrait plus être focalisé sur le pétrole et le gaz.